Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment effectuer une sauvegarde ou une restauration de votre console PS5. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Pour ça, je vous recommande d'utiliser les ports USB qui sont situés à l'arrière de votre console. Ce sont des ports USB 3, ils sont plus rapides. Et si vous avez même un ancien disque dur, vous pouvez le laisser connecté en permanence à l'arrière, comme ça, ça se verra pas. Ensuite, vous allez tout simplement venir dans Paramètres. Vous allez descendre dans Système. Et là, vous allez choisir Sauvegarde et restaurer. Et maintenant, si on veut sauvegarder sa console, c'est tout simple, hein, on va cliquer sur sauvegarder. Donc vous pouvez sauvegarder en fait tout ce qui va apparaître ici à l'écran. Il n'y a que les trophées que vous ne pouvez pas sauvegarder. Les sauvegardes peuvent être assez lourdes, donc je vous recommande d'avoir un disque dur assez rapide. Là, moi, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement laisser cocher toutes les options ici. Et puis, je vais tout simplement cliquer sur Suivant. Et puis, Sauvegarder. Et je laisse faire. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire, juste attendre que la console ait fini sa sauvegarde. Et faites attention à ce que personne ne vienne couper le courant ou l'alimentation de la console. Maintenant que vous savez comment faire une sauvegarde, pour la restaurer, c'est tout aussi simple. Vous allez dans Sauvegarde et Restaurer. Et là, vous allez cliquer sur Restaurer votre PS5. Attention cependant, si vous utilisez cette sauvegarde sur une ancienne console avec un certain contenu, il sera écrasé par celui que vous avez à restaurer. Et si c'est une console neuve, vous allez y injecter le nouveau contenu, celui qui se trouve sur votre sauvegarde. Faites attention, lorsque vous avez validé le processus de restauration, c'est définitif. Ensuite, dès que vous avez validé, il suffit de laisser faire la console et de suivre les étapes qui vous seront proposées à l'écran. Vous savez tout pour sauvegarder ou restaurer les données de votre console PS5. N'hésitez pas à partager ce contenu. Si vous avez apprécié, laissez-nous un like. Laissez-nous aussi des commentaires si vous voulez qu'on échange un petit peu dessus. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutos. À bientôt.